cette histoire a commencé il y a longtemps, on peut dire, parce que on se connaît depuis qu'on est petite. Hein. On était au collège ensemble. En sixième. On habitait même à côté. À Preuve. Et donc après, on a fait, enfin, on n'a pas fait de chansons à cette époque-là. Ah non. Ça va aller là au niveau. Excuse d'interrompre la chose. Et en fait, on a commencé à faire des chansons que quand on était en colocation ensemble. Après bac. Enfin, pour elle, moi, je ne l'ai pas eu. Mais voilà. Sinon, ça fait plusieurs années qu'on fait des chansons. Ça fait 5 ans qu'on fait des chansons. Parce qu'on s'ennuie. Parce qu'elle s'ennuyait. Il faut remettre en place. Hein. J'ai tellement de trucs qu'il fallait décompresser. Décompresser. Hein. Alors, elle a pillé sur son piano, et puis moi, je disais des conneries, et puis... Et voilà. La douleur est insupportable, elle n'avait pas de relation, elle n'a pas de pouvoir, elle fait que leurs chaussures, elle s'enfuit, elle prétend d'un pur. Mordir ! Elle est prête d'endormir. Aïe, non ! Ça fait 2 ans. Ça fait donc 2 ans, oui. Que, il faut redire la question. Ça fait 2 ans ? Non, mais il faut redire oui, ce qu'il dit. Oui, non, mais je me pose... Alors vas-y, réponds à la question. Ça fait 2 ans qu'il a cette tournure de 2 heures. 1h15. Ouais. Non. On n'a plus de lumière, on va faire... Okay, tiens-toi un peu. Donc ça fait 2 ans qu'on a cette formule 1h15 à peu près, qu'on a travaillé. Mais c'est vrai qu'elle se modifie vachement en fonction des concerts. 45 minutes. C'est pour ça qu'elle ressemble jamais trop à ce qu'on attend à chaque fois. Mon docteur, la tension est bonne, la saturation d'oxygène aussi. Très bien, mademoiselle, on va pouvoir commencer la greffe. Passez-moi la main. Oui, docteur, la main. Eh bien, c'est la main gauche, mademoiselle. On peut pas faire de piano quand on a plus de main. Encore moins de goal quand on a plus de main. Adieu la Game Boy, quand on a plus de main. Mais sinon, sans se vanter, oui, comme je dis dans le spectacle, on fait de la néo-musique, c'est sûr, hein, personne n'a jamais entendu ce genre de choses. Alors, on nous a déjà dit qu'on ressemblait au VRP chanté par Vincent Delerme. Pas mal. La politique, c'est vrai que ça ne nous intéresse pas tellement. Je pense que le trou du cul du monde qui est Saint-Benet-la-Chipote, ça ne la touche pas trop. Voilà, la politique n'atteint pas ce village. On a une chanson très engagée. Oui. On s'engage aussi dans la société, on dit des choses. Donc on a une chanson engagée, on parle de l'amour régulièrement. Alors, je tiens à préciser quand même que c'est moi qui écris les paroles. Voilà, et moi je fais plutôt le piano. Et bon, rassemblons-nous et suçons ensemble le goût de la vie. Apprenons à nous faire des amis. La chanson des yaourts, c'est toute une histoire. C'est une chanson qui date des années 2002, je pense. Ouais, j'étais même moins, pas encore à l'internat. Et c'est vrai que c'est elle qui a commencé. C'est notre première chanson ensemble. Voilà, je sais même plus pourquoi on... Alors c'était Pau qui, déjà, faisait du piano sur un vrai piano chez elle. On était voisines, donc j'allais tout le temps l'emmerder chez elle. Et à cette époque-là, moi j'aimais bien Benabar parce que je savais chanter faux et Benabar ne chante pas trop, il parle en même temps qu'il chante. Du coup, je me disais, tiens, je pourrais faire pareil, peut-être ça marcherait. Et du coup, les yaourts, c'était un peu ça. On avait essayé de prendre des trucs un peu comme les L aussi qui font plein de bruits bizarres, on avait fait ça. Enfin, c'était un mélange de folie vocale plus des histoires un peu bizarres. On pourrait faire un remerciement qui durait une éternité. Je pense qu'on peut déjà remercier l'espèce de chauve à lunettes qui lui sert de copain, là, qui nous supporte et nous suit depuis très longtemps. Qui nous donne beaucoup de conseils sur des morceaux. Il est 7h10. Dans 10 minutes. Alors nous sommes heureux, les demoiselles, d'être ici pour vous au catering, choisi par Zou, n'est-ce pas? Donc il n'y a rien, finalement. Et Zou, on a des bières, quoi. On a des bières, mais il n'y en a plus, je crois, après. Puis, remercier toute l'équipe qui nous a aidés là pour l'enregistrement. Juan et Damien, voilà, qui sont de la MJC. Thomas et Bisounours pour la lumière. Non, mais attendez, c'était une bouteille d'eau verte. Donc Benoît aide au niveau des concombres et des carottes, essentiellement. On va remercier Axel et Thibaut du réparateur qui nous font l'enregistrement.
Quand tu fais l'ordure comme ça, on voit la jupe en léopard, on voit tout. Là, tu l'as. Et les quatre caméramans qui sont Pierre, Julien, Mathieu et Max. Et enfin, les deux autres qui nous ont aidés pour la le caméra. Making-of. Le making-of. Hein, donc ce que vous regardez. Et Rico. Rico. Voilà, donc déjà à eux. Les demoiselles pensent que les gens ont un tourne-disque, mais qui n'ont pas encore de laser. Ils n'ont peut-être pas un laser, donc on fait quand même des CD pour les jeunes. Voilà. Et puis pour ceux qui vont en voiture puis qui ont envie de nous écouter, la cassette. Hein, voilà. Rien de tel que la cassette. Et alors on pensait, on nous a suggéré une très bonne idée. Enfin, je trouve que c'était. Oui, d'accord, une très bonne idée de faire le méga pack demoiselle pour toute la famille avec le CD, le vinyle et la cassette audio. Comme ça, maman peut écouter le vinyle en nettoyant le salon, le petit peut l'écouter dans la salle de bain en prenant sa douche et papa l'écoute dans la voiture avec la cassette audio. Comme ça, tout le monde écoute les demoiselles. C'est un beau cadeau pour Noël.